Bon sentiment pour les enfants du sport, je trouve que l'entraîneur de Saint-Louis Basket, alors quel est ton sentiment après cette victoire face à Delhi? On fait un bon match du début à la fin. Je trouve qu'au niveau du collectif, les filles elles ont réussi à se trouver. On a essayé de jouer notre jeu rapide, de défendre dur. Et ça a payé parce que grâce à notre vitesse, on a réussi à marquer des paniers faciles, à se mettre en confiance dans le match. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de faire un peu l'écart au début. Et du coup, après, on a pu un petit peu se mettre en confiance. Pour les tirs extérieurs, tout est devenu plus facile. C'est ce qui nous a permis de faire une belle victoire. Mais je salue vraiment la prestation collective des filles, que ce soit en attaque ou en défense. C'était vraiment bien, des deux côtés du terrain. Allez, merci. Bonsoir Thibault pour les infos du sport, je suis avec l'entraîneur de Del de basket. Alors quel est ton sentiment après cette lourde défaite face à Saint-Louis? Dur. C'est un peu compliqué cette année dans le sens où on est monté sur le tard. On avait une équipe l'année dernière qui n'est absolument plus celle qu'on a cette année puisque j'ai perdu ma pivot de Meuse et une ailière qui faisait mon moteur en dernier. Donc on a fait le pari de monter quand même. Pour offrir du temps de jeu à tout le monde, de l'expérience et pouvoir avoir autre chose. Alors c'est sûr c'est compliqué, ce que je regrette un peu après c'est qu'effectivement avoir ce soir, là on prend 60 points, c'est qu'on ne devrait pas prendre ça parce qu'on perd vraiment beaucoup de balles, qu'on ne doit pas perdre sur des situations de jeu faciles et anodines, on tente de le battre pour se faire battre. Donc après bon voilà, c'est qu'on va finir comme ça, on va sûrement finir à 0-14, c'est un peu dur de dire ça, mais moi ce que je voudrais déjà, si je tends dans ce sens-là vers mon fils, c'est qu'on fasse des matchs, parce que là finalement on fait pas des matchs, il y a moins 40, moins 50, on n'a pas le sentiment d'avoir fait un vrai match de basket. Donc on va continuer de travailler pour essayer de penser sur ça sur les trois derniers matchs qui nous restent. On verra ce que ça donne. Après le point positif c'est que j'ai vraiment un groupe très sain, des filles super, elles sont de le bas. Donc bon, c'est une année compliquée, mais ça la rend compliquée que sportivement, pas humainement. Voilà. Merci.